Cette session, euh, nous allons donc accueillir trois communications avec un petit changement euh, puisque Salomé Dehaut euh, qui devait nous parler du rewilding euh, n'est pas là. Nous avons donc proposé euh, à Eric Adamkiewicz euh, de euh, venir nous parler de la question. Euh, euh, que pose la transition de la gouvernance et on pense que ça fera euh, nécessairement l'objet d'un de, de, questionnement en termes de, de conflictualité donc en tout cas ça nous fera la transition euh, avec les deux, euh, <laughs> les deux les deux communications qui, qui euh, suivront euh, donc voilà sans plus tarder euh, Eric euh, va nous donc, il est maître de conférence en, en STAPS euh, à l'Université de Toulouse. Il est aussi, euh, il intervient régulièrement euh, à Sciences Po euh, ici à, à LUGA sur les questions de gouvernance du sport. Et donc il va nous proposer une communication intitulée La transition de la gouvernance sera pour plus tard. Qui... Merci. Bonjour euh, à toutes et tous. Euh, J'ajoute on que j'interviens également dans le cadre du Master CEST de, de l'UGA, donc à la Faculté d'économie, sur les questions de tourisme et de développement territorial. Euh, donc, pour aborder, alors je vais essayer de m'en sortir parce que ce n'est pas mon ordi, donc je vais essayer de, de bien manipuler l'objet. Je vous propose de, que l'on évoque la question de la, tra la transition de la gouvernance euh, dans un contexte qui est euh, en train d'évoluer, sachant que. Si on prend le, le premier item, on a un petit peu de, de matière, puisque ça fait 50 ans qu'on a des analyses et des, et des diagnostics. Et on peut se poser la question, euh, pourquoi faire Pourquoi faire euh, Quand on regarde l'état de la transition et les questions qui reviennent, on a l'impression que ce sont les mêmes questions récurrentes depuis quasiment euh, au moins une bonne vingtaine d'années. Alors. Je suis allé chercher, hein. j'ai pris quelques exemples pour montrer que les questions de gouvernance et sur les territoires de les territoires de montagne sont au cœur des, des questionnements. Là, je vous ai pris des, des supports, des ouvrages qui ont été faits avec euh, des, ce qu'on appelle des acteurs. Alors, les acteurs, ce n'est jamais des universitaires. Hein. Les acteurs les universitaires ils viennent en plus. Et on parle des acteurs institutionnels, des acteurs économiques. Et on avait, ils avaient lancé des perspectives, donc on voit des, des ouvrages 2002, 2004. Et déjà, la question de gouvernance était, était posée. Alors, il y a quelques universitaires qui participaient parce que dans ces cas-là, les acteurs sollicitent les universitaires pour venir corroborer le discours qui les arrange. Mais que se passe-t-il dans les faits Alors, la preuve que je ne sais pas me servir de l'appareil, c'est qu'on a des acteurs et puis on a des universitaires. Alors, les universitaires, hop, on les a appris. On a des analyses qui existent depuis un bon nombre d'années également. Et à chaque fois, alors je n'ai pas pu mettre bien sûr tous les ouvrages qui ont été, euh, qui ont été publiés depuis ces 20 dernières années. Hein. Les auteurs, euh, j'espère qu'ils m'excuseront, mais j'ai pris des, des ouvrages qui sont de, à, à mon sens assez intéressants en termes de ponctuation. C'est-à-dire qu'on a sur 2007, sur 2010, à la fois les questions de développement durable, à la, question, la, la question de, de la mutation. On ne parlait pas encore de transition. Et puis, des... à l'intérieur, était évoquée dans certains articles la question de la gouvernance et des manières de, de fonctionner. Et puis, il y a ce que j'appelle les poils à gratter. Alors, avec la présentation qui ne va pas bien, tant pis. Hein. Voilà. On a tous en référence ces anciens bouquins qui sont considérés comme quasiment des archives que l'on connaît tous plus ou moins, dont on a vu des extraits, j'invite tout le monde à les relire, pour la simple et bonne raison que quand on les relit, on se rend compte que finalement, ces, ces ouvrages qui n'ont pas été rédigés par des universitaires, euh, Daniel Arnaud est, 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 est journaliste et, euh, et Bruno Cogna est, était un, destiné à faire de l'aménagement, ils ont un diagnostic qui est assez corrosif sur... Le, la construction de la montagne dans les années 75 73 et 75 ce qui veut dire que on a des diagnostics très marqués qui mettent le doigt sur euh, les problèmes et j'aurais tendance à rajouter les problèmes qu'on a gentiment mis sous le tapis pendant euh, les années qui ont suivi de manière à ce que euh, bah, globalement on passe à autre chose et que le modèle économique autour des stations puisse perdurer et euh, être dans cette euh, la situation dans laquelle on est, on est aujourd'hui. Si, si on relit ces ouvrages, on se rend compte qu'ils ont malheureusement une très grande actualité. Et je dis malheureusement parce que ça va obérer une partie des transformations possibles. Parce que s'il si, y a 50 ans, on était déjà au courant, qu'avons-nous fait pendant 50 ans On a fait euh, autre chose. Alors, euh, en fait, l'histoire de la gouvernance, c'est une histoire qui est, est assez ancien. Hein. La gouvernance des stations, vous, vous avez vu le bouquin de 2004 on se rend bien compte que sur les territoires, il faut avoir une organisation. Alors, la définition de la gouvernance souvent employée, c'est celle de, qui consiste à dire que c'est l'ensemble des processus formels et informels qui président à une organisation, en l'occurrence là, nous des territoires. Alors, c'est un, un, un sujet qui a été évoqué, mais qui a souvent été très peu euh, mis en œuvre, voire même limité. Je pense qu'un des exemples le plus aboutis, c'est les Les carélis. Pourquoi c'est de mon point de vue un, une gouvernance qui a été bien construite et bien élaborée Parce qu'on était sur un modèle coopératif, sur euh, des stations qui étaient alors un cas atypique, puisque c'était des, uniquement des lits de, euh, qui étaient en village vacances, en plus tournés vers le social, et qui s'est arrêté en le 30 novembre 2019. Et, et l'arrêt de la, de la concession, qui est lié en fait à la disparition. De la structure initiale qui était le groupe Renouveau, l'association Renouveau qui faisait du tourisme social. L'association est partie en vrille. Une fois que les créateurs ont été remplacés par de pseudo-gestionnaires, elle a mis la clé sous la porte. Ça a été racheté par Village Club du Soleil qui a, des, qui a considéré que l'exploitation d'une station de ski n'était pas son domaine de, de compétence. Donc petit à petit, ils ont attendu le, la fin de la concession et à l'arrêt de la concession, ça a été coupé, euh, une vente à la découpe si vous voulez. Et une partie a été reconstituée autour d'un office de tourisme municipal, une SEM, et puis la remontée mécanique. Il y avait une vraie gouvernance de territoire, c'est-à-dire que sur le territoire à ce moment-là, se limitait à une station. Hein. C'est là où on, il faut aussi revoir les logiques d'échelle. Mais c'est un modèle qui était basé sur la coopération, sur le fait qu'on ait des lits touristiques qui puissent être constamment chauds et donc on a, ils n'ont pas... Fait le pari de l'immobilier. Ils ont accepté un développement que l'on pourrait appeler comme raisonné. Et là, je vous renvoie aux, aux écrits de, de Pierre Léné, le, le créateur. Et puis, euh, et puis ça s'est arrêté en 2019. Et maintenant, c'est en train de repartir sur un modèle quelque peu classique, c'est-à-dire reprise en main par, par la commune. Alors, il y a d'autres tentatives qui ont été faites, que j'appelle des tentatives avortées. <coughs> qui ont essayé de monter des structures de gouvernance de façon à ce que l'ensemble des acteurs d'un territoire, en l'occurrence touristique, dans des stations, puissent fonctionner. Alors, je vais prendre deux exemples. Un que je connais particulièrement bien, c'est celui des arcs, euh, puisque de 2005 à 2008, il y a même eu un directeur de la gouvernance qui a été, euh, qui a été mis en place. Il a été recruté. Son objectif, c'était de fédérer... Euh, les acteurs de la station de manière à définir une stratégie et une organisation pour euh, la station des arts, qui était déjà euh, dans le top 5 des, des stations les plus fréquentées au monde. Aujourd'hui, elle est entre la troisième et la quatrième en nombre de fréquentations aux journées skieurs, 43 000 lits, excusez du peu. Euh, ce qui fait que euh, ce, ce directeur, alors il se trouve que moi à ce moment-là, j'avais mis euh, ma carrière de maître de conférence en en suspens, et j'étais directeur de l'Office Tourisme des Arcs, donc j'ai bossé directement à l'élaboration de cette gouvernance, et ce que j'ai pu vivre, et c'est très intéressant de faire le, le retour et le, avoir le feedback, c'est que il y avait une vraie volonté de la part des élus d'aller vers une stratégie qui puisse être une gouvernance optimisée, des efforts ont été faits, et puis il y a eu la résistance de certains acteurs, et puis il le fait que globalement, on veut bien une gouvernance à partir du moment où on reste les maîtres des décisions. C'est-à-dire Moi, je veux bien qu'il y ait un directeur de la gouvernance, surtout si c'est moi qui le contrôle. Et ainsi, l'ensemble des acteurs, que ce soit les hébergeurs, les commerçants, les remontées mécaniques, la mairie, euh, voulaient bien qu'on les aide à avancer à partir du moment où, en fait, celui qui était en place euh, décidait. Puis il y a eu un changement d'équipe municipale, et puis ils ont viré le directeur, et puis la gouvernance s'est effritée, et c'est revenu à un modèle à peu près classique, il n'y a pas très longtemps, je suis allé euh, interroger euh, Franck Picard au Saisie. Il m'a raconté que au Saisie, ça avait été la même chose, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de travailler sur une gouvernance locale avec beaucoup de gens qui étaient volontaires pour, pour s'engager dans le processus. Ça avait fait plein de commissions, ça avait dégagé beaucoup d'énergie, et beaucoup de volontarisme. Et puis au final, quand les sujets ont commencé à être abordés, ah ben non, mais ça c'est ah on ça c'est de l'aménagement, la, ça avait plutôt les services d'urbanisme. Ah mais ça c'est ah c'est la promotion, non mais ça ça va être l'office de tourisme. Mais en fait, au fur et à mesure. La, la gouvernance telle qu'elle est euh, fantasmée, eh bien, elle se réduit à un pot de chagrin. À une, à une pot de chagrin et puis, on arrive à bah, ouais, bah, finalement, euh, on va faire comme avant. Et puis, on a les processus euh, que j'appelle les sauvetages par les collectivités euh, territoriales. Là, j'ai pris l'exemple du, du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui allait, euh, en 2018, euh, récupérer trois stations euh, dont les élus en fait étaient avec lesquels ils étaient en en équilibre très instable. Euh, C'était Luchon-Superbannière, Mourtis et, et Bourgueil. C'est-à-dire, ces trois stations, en fait, le conseil départemental, il a repris la gestion des remontées mécaniques. Ce qui est très intéressant, c'est dans le cas de Luchon-Superbannière, vous aviez un, un, un syndicat intercommunal qui avait une vision un peu prospective, mais qui s'est retrouvé coincé par, euh, par ses projets et ses, et ses envies. Des problèmes de coûts. Et en fait, de vision stratégique on en arrive systématiquement à un recroquevillement sur les logiques de gestion à court terme c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on veut faire? il euh, bah, faut remplacer le télésiège. et en fait la notion de gouvernance et de stratégie qui va avec s'appauvrit au fur et à mesure que les contraintes arrivent. et ce qui fait que eh bien comme dans le, dans le cas de luchon superbannière et, et des autres stations on refile le bébé qui coûte cher au conseil départemental qui acceptent de venir faire le pompier de service. Je rappelle à l'occasion que le pompier de service, on connaît tous une, une grosse structure qui a été un super pompier de service qui s'appelle la Compagnie des Alpes, qui a été créée au moment où Tignes et la station de Pézé-Valandry étaient à la limite de dépôt de bilan, puis les arcs. C'est-à-dire qu'on a créé la Compagnie des Alpes pour sauver des stations de ski qui étaient dans une très, très grande détresse économique. Donc c'est un phénomène qui est classique. Alors c'était une idée ancienne et puis euh, aujourd'hui pour passer dans ce, cette transition de la gouvernance, j'ai dit c'est un monde d'incertitude. Alors on a euh, des effets du dérèglement climatique qui viennent perturber les choix et les décisions. Plus il y a eu le, la crise de la Covid avec l'année blanche, hein. c'est pour le coup ça a, a marqué d'une pierre blanche sur les, sur les calendrier de tout le monde. Et apparaissent des nouveaux enjeux. Alors, vous noterez que j'ai mis euh, Nouveaux, entre guillemets, hein, parce qu'on va voir qu'ils sont effectivement extrêmement nouveaux. C'est un petit peu comme gouvernance avec un grand G, on peut mettre une majuscule, ça reste souvent du bricolage, même si euh, les ont, la volonté est forte. Alors, nouveaux enjeux. Euh, alors, pour vous dire comme c'est nouveau, hein, on a un marché qui est mature depuis 20 ans dans les sports d'hiver, et par contre, on a toujours un modèle qui, est, qui repose sur la construction et le modèle économique de la saison hivernale. Donc, ça, c'est un nouvel enjeu qui est vraiment euh, super nouveau. Il a juste 20 ans. Mais c'est un petit peu comme les différents ouvrages que je vous ai montrés dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne fait que reprendre euh, soit ce qu'on a oublié, soit ce que l'on ne connaît pas, parce qu'il y a aussi un paquet de gens qui n'ont pas lu ce qui, ce qui avait été produit il y a 20 ans. Donc on réinvente le fil à couper le beurre euh, tout, tous les matins. Et par contre, dans le nouveau contexte, on a une nécessité de, de communiquer en contexte de crise, parce que euh, le dérèglement climatique amène des crises. Il faut qu'on passe à une autre transition en même temps, c'est la transition écologique et économique. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis volontairement au singulier, c'est une, une, une transition écologique et économique, elle doit être simultanée et elle doit se faire dans le même temps. Et pour l'instant, c'est inconcevable, c'est la raison pour laquelle c'est fait très partiellement dans les, différents, dans les différents sites. Et puis, on a cette grosse monter euh, des pressions environnementales qui sont portées par une partie des citoyens parce que dans le cas des stations euh, on se rend bien compte que la neige devient rare, on voit les glaciers qui diminuent et il y a cette espèce de pression qui monte que ce soit chez les habitants que ce soit chez les propriétaires, parce que les, en station les propriétaires ont un statut particulier, hein, le propriétaire c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a financé la station et qui a permis qu'elle se développe mais même dans les stations, on ah, il y a le propriétaire, il y a le visiteur, il y a le touriste, il y a le propriétaire. Mais même le propriétaire qui, est, qui a investi dans la station il y a 20, 30 ou 40 ans, il commence à avoir des exigences en termes environnementaux, il commence à vouloir euh, à donner un petit peu plus son avis. Et, et puis il y a aussi le, le touriste, le visiteur qui vient et qui, bien sûr, euh, vient avec sa voiture, mais euh, considère quand même qu'il est dans un, dans un milieu naturel et que les projets qui sont développés ne sont quand même pas vraiment très marquée par un, une volonté environnementale. Donc, cette pression, elle monte. Et certains acteurs se retrouvent euh, fort dépourvus quand l'hiver euh, est venu. Alors... Euh, et surtout, en ce moment, quand la neige ne tombe pas. Alors, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a des, des nouveaux enjeux et des, un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, c'est l'apparition mou de mouvements d'opposition et qui viennent percuter les habitudes qui ont été prises. On l'a vu très récemment avec... Euh, la question de la retenue collinaire sur la Clusa, ou les projets immobiliers euh, qu'il y a sur Villard-de-Lans et, et Corançon en Vercors, ce qu'on appelle les projets Tony Parker, euh, où on se rend compte que les citoyens commencent à dire ben nous, ce modèle de développement économique, on n'en veut plus. Alors là, euh, sur la gouvernance du territoire, on se rend compte que finalement, on reproduit les mêmes choses qu'avant. On n'a pas changé, le modèle reste le même, c'est-à-dire le modèle qui repose sur l'immobilier. La seule défense que certains opérateurs ont trouvée pour essayer d'avoir une attitude vraiment défensive, c'est de parler de ski bashing. Alors pour moi, le ski bashing n'existe pas. C'est pour ça que je vous propose une définition du ski bashing, hein, qui est poser des questions sur la pérennité d'un modèle économique hivernal, hégémonique. Si vous posez des questions sur un modèle économique, vous faites du ski bashing. Vous pouvez être moniteur de ski, acteur des stations. Euh, amoureux de la montagne, si vous mettez en question le modèle économique actuel, vous faites du ski bashing. Vous faites pas de la montagne bashing, vous faites du ski bashing. C'est le signe que euh, ceux qui sont dans cette situation-là sont très très mal parce que le, leur niveau d'argumentaire est relativement faible. Et puis j'ai pris deux exemples pour bien le montrer. Vous, vous les avez vus inévitablement aussi puisque c'est des thématiques sur les montagnes qui, qui vous intéressent. Vous avez vu l'appel des sommets. Euh, qui est passé dans le, dans le Dauphiné le, 20, le 21 octobre. Alors, si on clique, si ça marche. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir hein, un truc qui fait de l'animation, autant s'en servir. Hein, L'appel des sommets, 21 octobre, le Dauphiné libéré, euh, avec tous les acteurs qui expliquent que, euh, bah oui, forcément, euh, on veut défendre la montagne, c'est quelque chose qui est important. Dans les derniers intervenants de cet appel des sommets, je suis perdu sur mon timing. Euh, on se rend compte quand même que le discours il est un petit peu sur euh, le monde d'avant. Hein. Si on va jusqu'au bout, je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Et puis on a le deuxième, qui est la, la tribune qui est passée dans le monde. Alors là, euh, le modèle d'aménagement de la montagne il est obsolète. Il faut qu'on passe à autre chose. Et là, on est au même moment avec deux tribunes qui disent à peu près la même chose. Avec des, quand même certaines nuances, même si tout le monde est sur, euh, logiquement, euh, la préservation de la montagne et son, de son environnement. Alors là, la transition, peut-être qu'on va la chercher. C'est tellement, tellement ancien, c'est tellement nouveau, ce truc-là, pardon. Tellement nouveau que j'ai retrouvé une tribune qui date de 2011, qui était déjà une tribune de Il faut, il faut sauver la montagne. Militants, sportif, chercheurs, artistes, 2011. Donc on est vraiment dans de la nouveauté. C'est encore euh, une nouvelle découverte. C'est-à-dire que 2011, qu'est-ce qui a bougé depuis 2011 euh, ben En fait, pas grand chose. Donc la transition. Hop La transition, c'est aussi euh, être capable d'utiliser les outils euh, numériques. En fait, on est un, sur un marché en transformation. On a des évolutions nécessaires et comment on fait Alors moi, pour faire ce travail, ça fait, euh, ça fait plus de dix ans que je fais. J'ai un corpus d'entretiens avec des maires, avec des, des chefs de, de remontée mécanique, avec des responsables d'office de tourisme des entre, ou des commerçants. Et j'essaye d'avoir des entretiens euh, et, et, et récupérer leur euh, leur ressenti, leur vision. Pour moi, ça bouge un petit peu, mais euh, et ça a bougé très fortement ces, ces trois dernières années. Par contre, en termes de, de décision et de résultats, on a du mal à rompre avec les habitudes du passé, d'où les, les, les tentatives de, de gouvernance qui sont avortées parce que euh, finalement, on, on se recroqueville sur les communes. Parce qu'en fonction des relations entre les remontées mécaniques et euh, les maires, eh ça va fonctionner. Euh, dans une forme de rapport de force, et d'abord avant tout un rapport de force économique. Il nous faut plus de lits, il faut changer une remontée mécanique, il nous faut changer un, un télésiège. Ah oui, la seule solution, c'est qu'il nous faut plus lits parce qu'on a, on a une augmentation de lits froids. Donc en fait, le modèle économique est toujours le même. On construit plus de lits, je rappelle qu'on a 50% des lits froids dans, les, dans tous les massifs français. Des lits froids, ça fait des lits qui sont utilisés moins de 5 semaines par an, moins de 3, entre 5 et 3 semaines par an. Olivier, t'endors pas, je te vois. Euh, c'est normal, on me fait passer après le, le repas. Euh, <laughs> je t'avais dit, que je te prépare. Et donc, on a, on a la solution qui est très facile, c'est de s'appuyer sur les collectivités territoriales, en l'occurrence les départements. On a le cas dans les Hautes-Alpes, en Haute-Garonne, en Savoie, puisque je vous rappelle que la petite station euh, à vocation sociale qui est Courchevel, la remontée mécanique dépend de, du, du département, hein, via S3V, et puis la Drôme. Que j'ai eu la chance de bien connaître sur la gestion de ces, ces différents sites touristiques, où on a à chaque fois le département qui assure le minimum, pour le, le cas de la Drôme, par exemple, c'est 5 millions d'investissements par an pour des, des stations et principalement des stations de, de ski nordique. Alors c'est un monde plein d'incertitudes. Alors on a une avalanche de, de prétextes pour ne pas faire avancer la transition. Vraiment une avalanche de prétextes. Il y a trop d'urgence environnementale et économique. Oui, ben, euh, on verra après pour la transition de la gouvernance. Oui, la gouvernance, ce n'est pas le moment. Là, aujourd'hui, c'est l'urgence, elle est euh, environnementale. Comment on va répondre aux données environnementales Et une majorité des acteurs euh, se cachent derrière leurs petits doigts ou de, derrière le fait de mettre des, des dameuses à hydrogène ou euh, des panneaux solaires à, à serre-chevalier. C'est une réalité, ça existe depuis 2007, il y a des gros, tra des gros efforts qui ont été faits. Néanmoins, ça reste peanuts et c'est souvent... Euh, Principalement du greenwashing. Et la, la transition devient. J'ai trouvé la formule, je pense que c'est un temps suspendu pour certains. dire que la transition, c'est un prétexte pour dire ben, on, on le fera demain. Il y a même une très grande station euh, dans laquelle les responsables vous disent ben, la transition, on la fera quand on devra, on, quand on devra la faire. Donc, euh, ils sont, à mon avis, ils ont trouvé le bouton on-off et un jour, ils passeront sur euh, le on. Pour l'instant, ils sont off pour euh, la transition. Et, et je vous ai mis une réponse à temps perdu alors ça c'est un, un terme d'escrit, moi je suis maître d'armes par ailleurs et, et la réponse à temps perdu c'est la réponse que tu fais après et là c'est une, une réponse à temps perdu mais elle est suspendue, c'est la réponse on va l'avoir après et je pense que cette transition elle se transforme aussi dans la, dans la notion de transition il y a aussi le fait de, de, de repousser la date de décision de la mise en œuvre. et c'est aussi un bon prétexte pour euh, bah, faire comme avant et voilà, et normalement je suis à peu près dans les temps. C'est bon